Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'univers de Actuelle Interférence. Aujourd'hui, nous avons pour thème vie et corps. Nous avons comme intervenant Monsieur Hervé Yumbi, Alida Imélé, Wilfrine Bida, Gabriela Badjek, Cécile Mouen, Consolaire Kabangou et Blanche Agoumé. J'aimerais bien que tu te présentes à nous en trois mots. Je veux dire multiculturel, c'est mon premier mot. Ok. Mode, c'est mon deuxième mot. Okay. Et réflexion, je réfléchis beaucoup. Ok. Maintenant que tu t'es présenté à nous en trois mots, est-ce que tu peux nous parler de toi et aussi entrer dans la discussion avec le thème qui est corps et vie? Donc je suis une, on va dire une artiste, mais aussi une designeuse. Donc j'ai étudié la mode d'abord et je me suis après plus en plus intéressée aux bijoux. Donc je fais toujours les deux. Je trouve que les deux ont quand même une similarité dans le sens où ils sont attachés au corps. On utilise, il y a l'aspect pratique, comme quand on porte les vêtements et on porte des bijoux. Mais après, ce qui m'a intéressée, comme l'un de mes mots, c'est multiculturel. Donc je m'intéresse beaucoup à l'aspect culturel que le vêtement et que les bijoux peuvent avoir, pas seulement l'aspect fonctionnel. Et pour moi, c'est intéressant de savoir comment est-ce que les gens portent le vêtement et le bijou et transmettent leur identité culturelle. Les quelques bijoux que j'ai présentés pour l'exposition actuelle sont, on va dire, des thèmes de la faune. Et ce sont des inspirations qui me sont venues des Abia, qui est un art camerounais. Avec des petits jetons où on dessine en fait des aspects de la vie de tous les jours, enfin que les Camerounais dessinaient des petites choses par-ci par-là, et j'ai trouvé que ces dessins-là étaient vraiment très pertinents. Et pour moi, c'était important de transmettre en fait cet art camerounais un peu au reste du monde et aussi peut-être aussi à nouveau au Cameroun par un autre biais, par un autre médium qui est peut-être plus proche du corps pour que les gens aient cette œuvre, enfin que ces symboles voyagent aussi en même temps que les gens bougent. C'est avec beaucoup de passion et de plaisir que je t'ai écouté tout à l'heure parler de ton travail parce que à voir ton travail, j'ai pensé justement à la notion de l'art comme accessoire de mode parce que ton travail s'y prête très bien. Tu t'es également nourri d'un autre élément de la culture, que ce soit africaine, camerounaise, africaine, ou du monde, comme tu t'es intéressé du jeton d'Abia, où il n'y a que le jeton d'Abia jusqu'ici qui a captivé ton attention. Oui. Oui, effectivement, il y a plusieurs inspirations, et je pense que c'est ce qui a fait développer en fait mon langage visuel. On va dire qu'au départ, les jetons d'Abia, je les ai connu, on va dire, en faisant un stage chez un artiste camerounais à Yaoundé qui s'appelle Emmanuel Etoloya, qui j'adore son travail. D'ailleurs, j'ai une de ses œuvres qui est ici derrière moi. Autre chose qui m'a inspirée, c'est plus personnel, c'est l'histoire de ma famille. Le fait d'être mixte française et camerounaise, ça m'a beaucoup inspirée parce que ça m'a beaucoup posé de questions sur qu'est-ce que ça veut dire être entre les deux cultures. Je suis plus qu'une autre. C'est super. Il y a également, tout à l'heure dans ton propos, la volonté, tu as fait mention de la volonté de ne pas juste offrir un bijou aux gens, mais d'offrir aux gens une parcelle de culture à travers les bijoux que les personnes portent. Il faut aussi dire que toute cette pratique-là avait un rapport à la notion d'identité aussi, parce qu'on ne mettait pas n'importe quel tatouage sur soi, on ne faisait pas n'importe quel type de scarification. Donc, c'était une manière d'affirmer son identité. Est-ce qu'il ne t'est pas arrivé, par exemple, à l'esprit, un jour, de te nourrir de toutes ces pratiques-là et de les intégrer dans les éléments graphiques des bijoux que tu crées? Ça m'a effectivement, j'y ai pensé plusieurs fois. J'ai pas encore suivi l'idée concrète, mais c'est vrai que j'y ai pensé, par exemple, un aspect vraiment personnel, de me faire un tatouage avec l'un des dessins que j'ai fait, mais bon, pour l'instant, je ne suis pas encore là, mais ça... Donc, c'est vrai, ça m'a traversé l'esprit. C'est super. Merci, Cécile. Bonjour, Blanche. Comment tu vas? Bien, bien, merci. Et toi? Oh, ça va, comme le Cameroun. En tout cas, on est contentes. Mais pourquoi vous rigolez, les filles?
Le Cameroun va bien, hein? La preuve. Hein? Donc, Blanc, si tu pouvais te présenter à nous en trois mots, ce serait quel mot, s'il te plaît? M-O-T-S, hein, bien sûr. Encore que si tu veux M-A-U-X, ça dépend de toi. Blanche, je suis passionnée, le temps et l'esthétique. Pour moi, en fait, le corps fait partie de tout et c'est quelque chose avec lequel j'aime bien travailler. Et dans actuelle interférence, j'ai sollicité le corps des femmes. Les femmes noires aiment être coquettes, toujours propres, toujours sûres d'elles, tout bien habillées. Et si quand on arrive en Europe, c'est quelque chose de différent. Si tu mets ton rouge à lèvres, les gens te regardent bizarrement parce qu'il faut se lever tôt, il faut toujours courir et tout ça. Je vais utiliser le mot des blogueuses camerounaises qui souvent, quand on est en Europe, si on est beaucoup plus des pimentières. Ouais, les vendeuses de piment, ok. Pourtant, c'est ici beaucoup plus en Allemagne, les femmes bossent beaucoup, franchement beaucoup. En Afrique, c'est comme ça, on est toujours soucieux de son apparence. Nyanga, c'est Nyanga, c'est-à-dire, on est Nyanga, même quand on va chez l'épicier, on est Nyanga, c'est comme ça, effectivement. Donc, oui, mais l'idée, comment l'idée t'est venue? En fait, quand on m'a sollicité pour interférence, parce que j'ai voulu montrer ça, mais j'ai pas totalement montré ce que je voulais par rapport à la pandémie qu'il y a, parce que j'aime prendre le temps de faire certaines choses. Ok, donc c'est un work in progress que tu nous as proposé en fait. Okay, donc... Ce fut un plaisir de voir, de redécouvrir ton travail. Quand je regarde ce qui est présenté, on a une série de 8 photographies et ces photographies sont disposées en paires. Donc, 4 séries de 2. Et il y a un dialogue qui s'opère entre ces différentes paires. C'est-à-dire qu'on a chaque fois la même personne, mais présentée de manière différente. Tout à fait. C'est ce que j'ai compris à la fin de ta causerie avec Louise, quand elle disait que c'est un work in progress, parce qu'en réalité, la perception que le visiteur ici a du travail, c'est qu'il y a deux représentations de la même femme et qu'on a cette femme pendant son séjour ici et cette femme pendant son séjour en Europe, comme on le disait tout à l'heure, l'expression, j'emprunte cette expression-là, de vendeuse de piments. Mais j'aimerais quand même te poser une question. Quel est d'après toi l'impact du regard que les Occidentaux ont sur la jeune femme africaine quand elle arrive et s'installe en Europe? C'est difficile parce que quand moi par exemple, je prends mon cas, quand tu arrives et que tu gardes cette idée de toujours ce côté esthétique, même quand tu as envie d'aller travailler ou que tu accompagnes ton enfant à l'hôpital et que tu te maquilles, que tu mets ton rouge à lèvres, il y a ce regard qui dit qu'elle ne prend pas peut-être son problème ou bien son travail au sérieux. Alors que c'est une culture chez nous de se faire des tresses, de se faire des nattes et de toujours être propre sur soi, quoi. De toujours penser à son apparence de la femme africaine qui voudrait avoir ce côté de séduction, de plaire. Mais comment on parlait de work in process? Qu'est-ce que tu pourrais donc faire pour nous amener à voir cette femme autrement, la voir coquette, mais dynamique et digne? Parce que si je comprends bien, c'est ça que tu es en train de vouloir exprimer. Parce que tu sais, Aminata Traoré disait par exemple que l'Afrique est très influençable, ou les Africains sont très influençables, le genre le plus fragile, c'est la femme. Et que la femme en Afrique consomme énormément les feuilletons à l'eau de rose, notamment les télé-novelas et autres. Et du fait de cette consommation-là, ben, rentre dans une projection de son image qui est totalement fausse. C'est vrai que c'est difficile parce que nous sommes. La femme africaine est vraiment influençable. Ok, Consola Kabangu. Alors, Consola Kabangu, si tu te présentais à nous en trois mots. Si
je devais me qualifier ou bien me qualifier des mots de belle, de perfectionniste et de courageuse. J'ai envie de dire dépressive, mais ma mère va écouter ça. Donc, je préfère je vais mettre des états. Et si maintenant tu nous parlais du thème qui est vie et corps, et tu nous parlais aussi un peu de toi et de ton travail, s'il te plaît. Le travail que j'ai exposé pendant pour l'exposition d'actuel est centré sur l'homme, sur toutes ses formes. On trouve l'homme coquette, on trouve l'homme amoureux, on trouve l'homme travailleur, on trouve l'homme qui a besoin d'être secouru. Et pour moi, l'intention derrière ces images ou bien cet esprit en général, c'est de montrer l'homme déjà sous un autre angle. On entend des personnes, quand j'assieds un homme pleure devant moi, je serais scandalisée. Et pour moi, c'est pourquoi, sinon, on devait laisser les larmes, je veux dire, ce n'est pas l'organe qui crée les larmes, on devait seulement créer ça chez la femme, quoi. Si ça existe chez l'homme, c'est que c'est bien là pour une raison. Donc, il faut pouvoir laisser que les gens s'expriment, que ce soit homme comme femme. Donc, c'est un peu, pas en fait, l'esprit de mon travail, en fait, voilà. Bonjour, Consola. Léon, Élie. Comment vas-tu? Ok, super. Ben, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que tu as dit sur ton travail. Pour le résumer en quelques mots, en s'appuyant sur le thème, moi, ce que je pense de ton travail, c'est que tu exécutes une œuvre des œuvres qui reposent essentiellement sur la question du rituel de la vie. Et dans le récit de ce rituel de la vie, tu mets beaucoup plus en exergue le côté, on va dire, sensible, okay, de cet homme-là. On sait très bien dans le propos que tu as dit tout à l'heure, dans ce que tu as dit tout à l'heure, on sait très bien que la sensibilité n'est pas quelque chose qu'on attribue très souvent à l'homme. On pense que la sensibilité, c'est de l'ordre de la femme. J'aimerais bien te poser une toute petite question. Que pensais-tu du machisme? Pour moi, je pense que pas de machisme, pas d'oppression. Mais il n'y a aucun peuple ou aucun groupe de personnes qui a un moment été oppressé, qui était comment épanoui. Parce que le machisme, qui pour moi c'est un volet du patriarcat, opprime la femme. Et je pense que c'est également toxique pour les hommes, pas qu'un négatif dans son environnement. Et comme je disais, j'ai grandi dans une famille où mon père, dans un cadre où mon père était vraiment. C'était un père, c'était un homme, mais un homme qui pouvait se permettre de rire, permettre d'être papa et moi. Un père qui pleurait quand il voulait pleurer, un père qui était triste, un père qui exprimait peut-être sa douleur. Et un père qui était vraiment très présent dans nos vies, genre dans l'éducation et tout. Et un père qui préparait à la maison aussi. Donc, pour moi, je veux dire, c'est quand j'arrive dans la société et on commence à découvrir un peu ce que la société pense de l'homme, I'm like, no, this is not what I know, you know. Pour moi, ça devrait être une histoire d'humanité. Rester humain, en fait, c'est ça. Ok, merci. Alors, je vais demander à Alida de se présenter en trois mots. Mais avant de te le demander, je vais le faire moi-même. Moi, je dirais utopie, passionnée et impulsive. Et toi, quels sont tes trois mots? Moi, je me définirais en trois mots avec la fragilité, le dynamisme et l'émotivité, en fait. Maintenant, j'aimerais bien qu'on entre dans la discussion, que tu nous parles de ton travail et par ricochet, que tu parles aussi du thème qui est vie et corps. Pour moi, le corps, c'est en fait la matière première du geste esthétique même.
Je travaille beaucoup plus sur le portrait des femmes. J'essaye de les manipuler à ma guise en les alliant avec des cercles, avec des motifs, avec certains motifs de cercle Mugana Mosgo qui pour moi vient comme un élément qui me permet de leur donner une certaine force à ce corps. Donc voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne la thématique du corps, la vie et le corps sur ce travail que j'ai présenté pour Actuelle Interférence. Il y a une très grande présence de l'expression du féminisme qui voudrait que voilà, la femme revendique ses droits d'être comme les hommes, donc aptes à réaliser toutes les activités que les hommes peuvent mener. Pourquoi avoir pris sur toi de ne présenter que des femmes ménagères pour illustrer le dynamisme de la femme? Moi, je dirais en fait le désir de parler de ces femmes, c'est en fait une envie pour moi de sortir ces femmes dans l'ombre, parce qu'il faut se le dire. Peu importe le métier que l'on exerce, peu importe ce qu'on va dire, peut-être on dirait peut-être aujourd'hui il y a des, et pour être quelqu'un dans la société, on a besoin d'être peut-être un avocat, on a besoin d'être des personnes de haute société quoi. Lorsqu'on regarde dans la société, il y a toujours certaines femmes qui sont soumises à des phallocrates, en fait, des personnes qui prennent toujours ces femmes-là comme des objets, qui, comme des moins que rien, qui n'ont peut-être rien à dire. Mais pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, être une femme domestique, c'est une femme, en fait, c'est une femme qui détient une vie, c'est une femme qui a la vie de son employeur entre ses mains. Et donc, aujourd'hui, pour moi, la femme dynamique, c'est celle-là qui parvient non seulement à joindre son rôle de femme à ce qu'elle fait, en fait. C'est ça, la femme dynamique contemporaine pour moi. Donc, okay. Ce que je peux dire. C'est bien compris. Mais si on te demandait, si on te posait la question de savoir quelle est la représentation que tu fais, toi, aujourd'hui, de la femme contemporaine dynamique, qu'est-ce que tu dirais? Pour moi, la femme dynamique contemporaine, c'est celle-là qui est capable, qui est de un libre dans ses choix. Donc, peu importe l'activité qu'elle choisit, qu'elle est capable de joindre à son rôle de femme, son travail qu'elle exerce, en fait. Pour moi, c'est ça, la femme dynamique, être libre dans ses choix, c'est ça, en fait. Bonjour, Wilfried. Alors, si tu te présentais à nous en trois mots. Pour me présenter, je dirais que je suis africaine, amoureuse et fière. Alors, si on entrait dans le vif du sujet, tu nous parlais un peu de toi, tu slalomes entre le thème qui est vie et corps, et peut-être, si tu as d'autres choses à dire, dis-nous en plus. En réalité, comme toute peinture qui a une organisation de l'espace, les figures que je mets dans mes travaux se permettent de prendre vie. En général, ce sont des figures humaines disposées dans des pièces fermées et elles prennent vie dans le sens où je les mets. Ce sont en général des personnes assez isolées, de face, de profil, de dos, mais qui se retrouvent dans des espaces intérieurs pour la plupart et accompagnées des portraits. Cela, dans quelle optique? Vous savez, en chez nous, on a tendance à dire les morts ne sont pas morts, ou bien quand tu as besoin de quelque chose, tu peux communiquer avec les défunts. Quand tu as un problème, tu peux appeler, tu peux partir. À l'ouest, on lance le jujube au sol, on allume le feu. Chez les Bassa, ce n'est pas la même chose. Mais il y a toujours cette connotation, cette corrélation, où quand tu regardes la manière de faire, on te dit, tu vois que c'est la même appellation. Et je me retrouve, j'intègre les personnages isolés dans des bâtisses qui leur est propre. En général, quand on entre dans nos maisons, par exemple au village, quand on entre, on voit les photos de nos défunts, on voit les photos du grand-père, de l'arrière-grand-père, de la grand-mère, qui sont vraiment installées et qui donnent une certaine énergie à cet espace qui est assez difficile à expliquer. Mais approche assez différente et particulière, singulière aussi. C'est intéressant de voir comment, en passant d'un artiste à un autre, on ouvre une fenêtre et on
découvre l'univers derrière. Wilfrine Bida, dans sa proposition artistique à elle, nous ouvre la porte de l'omniprésence du corps après la vie. C'est de ça qu'il s'agit en d'autres termes. Et c'est intéressant parce que ça questionne en même temps aussi notre perception de notre parcours. Mais ma première question portera sur le rapport du silence au corps dans ton travail, parce que ce rapport est très présent. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire, en plus de ce que tu as dit tout à l'heure, sur le rapport du silence au corps? En fait, le rapport qu'il y a entre le silence et le corps, je vais d'abord remonter. Je me suis énormément inspirée des œuvres du peintre danois, Wilhelm Hammershøi, qui a énormément travaillé sur le silence, l'intérieur et sur l'architecture. On a ce côté visible et invisible. Le corps qui se manifeste dans la pièce est complètement silencieuse, mais elle se manifeste certainement par un frisson. Il y a ce côté-là. Et pour entendre tout ça, on a besoin d'abord aussi d'entrer dans son propre corps, de s'écouter, de vraiment s'isoler, de se mettre à l'écart, d'être dans le silence, parce que tu ne peux pas t'écouter si tu es dans un bar, en train de vivre ces émotions, ce n'est pas vraiment évident là-bas. Mais plonger à l'intérieur dans ce silence, dans cette isolation, dans ce rapport avec soi-même, tu te reconnectes d'abord aussi à ton propre corps. Tu te reconnectes à ton corps, tu te connectes à la nature, tu te connectes à l'environnement, tu te connectes à l'espace. Donc, voilà le rapport que je mettrai à l'intérieur. Très intéressant tout ça. Et ça, ton travail ouvre également sur un autre aspect qui est tout aussi intéressant et poignant. C'est celui portant sur le rapport entre le corps et le rituel de la mort, ou le rituel de la vie après la mort. Tu en as dit deux ou trois mots tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et dans Actuelle Interférence, je me suis dit, pourquoi ne pas maintenant associer la vie, l'expérience et l'émotion? Mais en amont, j'ai déjà travaillé dessus. J'ai travaillé sur Lesani, sous ton aile, bien évidemment. J'ai travaillé sur Lesani, qui est un rite traditionnel Beti Boulou, dans lequel on ne tape uniquement lors des deuils, lorsqu'un patriarche décède. Et quand il décède, on tape pourquoi? On ne pleure pas la mort. En réalité, en Afrique, on ne pleure pas les morts. On célèbre le nouveau rang de la personne. Même lors des funérailles à l'Ouest, on ne pleure pas la mort. On est en train de célébrer son nouveau rang. Actuellement, il est un ancêtre. On va continuer avec toi, Gabriella. Et s'il fallait que tu te présentes à nous en trois mots. Femme. Je dirais exploration et je dirais transparence. Transparence ici dans le sens de la restitution de la vérité, la restitution de la sincérité des objets, des corps que j'utilise ou bien que je mets en scène dans mon travail en fait. Dans le travail que je présente aujourd'hui, c'est un travail en fait qui est un peu un prolongement de moi. Je dirais que ce sujet, c'est l'exploration de moi-même qui a commencé même au-delà du dessin, de la performance même, qui est toujours de comprendre mon corps, comprendre comment il interagit avec les autres, ce qu'il peut renfermer comme émotion. Parce que pour moi, le corps, c'est une caisse de résonance. Non seulement c'est une caisse de résonance, c'est quelque chose qui emmagasine un maximum d'informations. C'est la vision de moi que je représente dans ces dessins-là. La vision de moi par rapport à comment est-ce que je pourrais m'aimer davantage et m'accepter davantage. Ce sont des femmes qui explorent leur corps, qui explorent les tabous de leur corps, qui vont à la rencontre d'elles-mêmes, à la rencontre de leur sensualité, de leur sexualité, à la rencontre de l'harmonie avec elles-mêmes. Donc, vraiment, la quête de l'acceptation de moi-même
est plus dans le besoin d'accepter les autres comme ils sont, sans vouloir les modifier, les transformer en ce qu'ils ne sont pas. La question de l'amour propre est plus problématique chez les femmes que chez les hommes, parce que les hommes, le contexte patriarcal dans lequel on se trouve n'impose pas une réelle esthétique à l'homme. L'homme est déjà accompli et la femme doit lui plaire. Mais est-ce que dans le souci de ce que la femme doit plaire à l'homme, elle cherche à se plaire d'abord elle-même? Pour moi, le corps est quelque chose que je dissocie de l'esprit de l'être humain. C'est un véhicule qui, au-delà de toutes les informations qu'il renseigne, c'est quelque chose qu'on doit écouter, qu'on doit comprendre et dont on doit prendre soin. C'est très intéressant de t'entendre parler de ton rapport au corps, toi qui est en même temps une adepte de la pratique de la performance. Je me pose la question de savoir pourquoi le choix, c'est la première question, pourquoi le choix de ces femmes toutes seules? Je précise un peu l'objet de ma question. On a tendance à croire aujourd'hui, quand on parle de critères de beauté aujourd'hui, que les femmes qui ont le corps relâché, le corps avec des bourrelets, les seins qui pendent, sont des femmes qui ont des corps qui ne sont plus attrayants. Et très souvent, on a l'impression, je dis bien l'impression, que ces femmes-là sont solitaires. Est-ce que c'est de cette solitude-là qu'il s'agit dans ton travail ou il s'agit d'une autre solitude? La femme seule, en fait, c'est l'intimité. C'est vraiment le cercle intime dans lequel elle ne permet pas à quelqu'un d'entrer. C'est le seul endroit où elle ne se juge pas. Le seul endroit où elle est légère, même si elle est lourde. Le seul endroit où elle s'aime. C'est même pour ça que c'est en ça que les photos de nu, parce que je suis modèle photo de nu, m'ont beaucoup aidé dans l'idée d'apprécier. J'ai parfois eu des retours souvent des gens qui me disent « Ah oui, tes seins tombent déjà et tout, et puis tu montres ça devant les gens. » C'est des remarques personnelles qui, à un moment donné, m'ont permis de lâcher prise par rapport à l'exigence que je pouvais apporter à mon corps. C'est-à-dire de me dire que je m'en fous. Je n'attends pas que ce soit parfait. J'attends juste d'être bien avec moi-même. Ok. En dehors de la question de la solitude de la femme dans ton travail, la seconde chose qui m'a interpellé, c'est que de toutes ces images, de toutes ces œuvres, je dirais, il y a une seule à l'intérieur de laquelle la femme n'est pas seule, où elles sont deux. Donc deux femmes dans la même œuvre. Ça s'appelle le verso. Le verso, c'est plus dans la symbolique de l'eau qui se verse sur le corps. Parce que pour moi, j'ai vécu une expérience extraordinaire quand je vivais avec ma grand-mère, quand j'étais plus petite. Je prenais le bain avec ma grand-mère. Elle était déjà un peu plus vieille. Donc parfois, j'avais l'occasion de frotter son dos, de verser l'eau sur elle, de la masser. Je lui ai fait les massages. Tout le temps que j'ai été un peu proche de c'est moi qui lui faisais des massages, des baumes. Merci les filles, vraiment brillante intervention des unes et des autres. Alors j'aimerais partager avec vous des questions qu'on a reçues hein, sur notre page Facebook. Questions et appréciations. Coco Comenier qui dit c'est vraiment pro, c'est bien de faire bouger les lignes. Nous avons Hardy Moïse qui dit super, corps et vie, merci d'avance d'expliquer le thème. Et nous avons Djumu Rodolphe qui dit belle prestation pour l'équipe et qui lui également demande pourquoi le choix du thème corps et vie. Pour le thème vie et corps que nous avons choisi, parce que l'organisation nous a permis de nous-mêmes faire le choix du talk sur lequel nous voulons intervenir. Nous avons d'abord pensé à quelque chose qui pourrait interférer dans chacun de nos travaux, que le corps est figuré dans nos différentes pièces et ce corps-là raconte des histoires de la vie. Ça raconte des histoires de mort, des histoires de problématiques avec le rapport à soi-même. Ça raconte des histoires de visibilité et d'invisibilité dans la société. Quand je vois le travail d'Alida qui veut mettre en lumière des corps que des gens voient sans voir, des femmes qui nous rencontrent,
que nous rencontrons tous les jours, qui font notre ménage, qui nous supportent, mais qui en même temps, on ne retient pas leur visage parce que quelque part, on trouve que leur travail ne sert à rien. Donc, ce n'est pas important que leur corps soit imprimé dans nos esprits ou les esprits de vie avec Wilfried qui, à un moment donné, fait figurer des corps qui sont présents, des corps qui sont absents, des gens qui sont morts, qui sont présents. Et moi, mon rapport avec la femme qui veut s'accepter dans son corps. En fait, on a vraiment voulu, dans un sens, raconter les histoires de ces corps dans des vies, dans la vie quotidienne, dans les différents domaines de la vie, l'intimité, le rapport de la société et le rapport, je dirais, émotionnel, en fait. C'est ça qui nous a poussé à choisir le thème vie et corps. Dans l'ensemble, dans Actuel et Interférence, on a vraiment eu chacun est revenu dans son monde, avec son monde. Chacun nous a apporté un peu son originalité, sa préoccupation et ses questionnements. Moi, j'ai beaucoup découvert des choses que je ne savais pas. Ça va m'enrichir davantage dans mon travail et j'espère que mon travail va aussi enrichir toutes les autres artistes qui ont participé à ce projet. Donc, je vais remercier Ali Daimele, Wilfried Bida, Gabriel Abadjek. On va remercier Cécile Moine, Consola Kabangou et Blanche Agoumé. Et un merci, mais vraiment un grand merci à M. Hervé Yumbi qui a bien voulu se prêter au jeu de Actuel Interférence. Je vais remercier Eyango Yannick qui s'occupe de la communication. Je vais remercier Ronald. Je vais remercier aussi d'autres actuels qui sont venus participer au talk. Je remercie Daniel Dimouta, Monsieur Salifou Lindou aussi qui fait partie du commissariat. Et on vous demande surtout de liker et de faire quoi les filles? De partager. De liker et de partager. Merci, à bientôt. Surtout suivez-nous sur notre page Facebook, Instagram et YouTube. Merci, au revoir.